reborn. Chaos reborn. Bonjour frères et sœurs et bienvenue sur ce pod. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, allez la regarder parce qu'il est nécessaire de la regarder pour mieux comprendre ce qui se passe ici ou ce qui va se passer. Il y a eu un problème récemment aux États-Unis lors d'un festival organisé par Travis Scott. Dans ce festival, il y a eu beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il y a eu la mort de 8 personnes selon l'information que j'ai vue. Wow. Mais cette affaire ne fait que commencer. Les gens sur les réseaux sociaux sont déjà agités. Les gens cherchent à savoir qui est la faute. D'autres réfléchissent et vont au fond du problème pour voir les forces obscures qui ont ici dû travailler pour que les choses soient pires. Et le résultat est là. Les gens se réveillent. Les gens se réveillent un peu partout et crient à un rituel ou à un satanisme, à toutes sortes de choses vraiment bizarres, vrai ou faux. En tout cas, les yeux sont là pour parler. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est un peu tout ça, mais des réactions hors du commun qui m'ont même étonné. Ça va vraiment être chaud. Suivez-moi, allons au studio. Âme sensible, veillez vous d'en abstenir parce que ici, ce que nous allons voir, franchement, c'est pas du jeu. C'est notre monde dans ce monde. Regardez ça! Vous voyez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Et ça s'est passé à ce concert, ou encore ce festival, organisé le samedi dernier. Vous n'imaginez pas ce qui s'est réellement passé là-bas. Il y a eu des morts. À l'entrée, vous pouvez voir tous ces symboles. Sur le vêtement de Travis Scott, les gens peuvent voir également ces symboles. Ces images que vous voyez là, ou cette image que vous voyez là, qui fait parler les gens. Et ici, on voit encore une grosse tête. La tête de Travis Scott. Gens qui ont ouvert sa bouche et les gens passent à la bouche pour entrer au concert. Tas de choses que nous rappellent beaucoup de symboles sataniques. C'est une femme qui est ici. Elle nous dit que il faut arrêter de faire ce signe démoniaque. Ce signe qu'elle a dans la main. Elle va nous dire ce que c'est. Et cette femme qui est ici va nous dire que ça, ce n'était rien. Tout ce qui s'est passé là-bas, si vous avez cru que c'était un concert en enfer, ce n'est rien comparé au vrai enfer qui vous attend si vous ne vous répondez pas. Et c'est ce que nous allons découvrir ici, en long et en large. Asseyez-vous bien. Attachez vos ceintures et soyez prêts, physiquement comme spirituellement. Alors c'est parti. Âme sensible, encore une fois, faites-vous en abstenir. Nous avons tout droit d'aller dans ce concert. Ce que les gens ont vu, ce que le concert nous a montré, ce à quoi on a assisté lors du concert, des images qui apparaissent sur les réseaux sociaux, les gens ne font que parler et nous décrivent des choses qui les ont surpris. Des choses vraiment hors du commun. Et quand on regarde ça, on se dit, mais où sommes-nous? Mes frères et sœurs, regardez de vos propres yeux. On voit carrément Travis Scott qui est ici en train de chanter. Mais sur le toit du spectacle se trouvent des images assez étranges. On voit des créatures marcher juste en haut. Et je vous rappelle que pendant ce temps-là, des gens mouraient. Oui, pendant ce temps, les gens mouraient.
Oui, téléphone indépendant, c'est un. Les gens mouraient et on voyait cette chose juste en haut. Ce qui révèle aux gens quelque chose de terrible. Pour les gens, cela montre que c'est un sacrifice rituel et que les gens qui sont morts, ce sont les âmes qui se trouvent en haut là-bas en train de marcher pour partir. C'est comme si tout était tout prévu. Et les gens avaient prévu que ça se passe à cet instant T. Vrai ou faux? C'est ce que les gens racontent que je vous transmets ici d'abord. À la fin, je vais vous dire ce que j'en pense. Maintenant, regardez de vos propres yeux. Le gars ici, il est en train de chanter en regardant à une direction, vers une direction, vers un gars qui est tombé évanoui. Et en haut, on voit ici des choses. Pendant que des gens aussi sont en train de mourir, des gens sont morts même. Il y a des cadavres à terre, sur le sol. Même certaines personnes marchent sur les cadavres. Et regardez ce qui se passe en haut. On voit ça. On nous dit que vraiment, ça, c'est comme des âmes qui vont en enfer. Dans les âmes décédées sont d'aller en enfer. Qu'est-ce qui a été écrit ici? Qu'est-ce que les gens disent? Si vous comprenez l'anglais, traduisez-moi tout ça en commentaire. On nous dit: Everything about this is wrong. People dying in this demonic concert. Souls were walking on top of the stage. You all need to wake up. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Okay. C'est un truc du genre pour dire tout à propos de ce concert était vraiment mauvais. Les gens étaient en train de mourir dans ce concert démoniaque. Et les âmes étaient en train de marcher sur le haut de la scène. S'il vous plaît, vous tous, réveillez-vous. En clair, voici ce que ça signifie. La personne a oublié de mettre les points, les virgules un peu partout. Ça fait que c'était un peu bizarre. Et c'est réel. C'est quand même réel, non? Les gens voient cette imagerie comme des âmes, des gens qui sont morts ce jour-là. Vrai ou faux? Et le son, la chanson qu'il a chantée, est assez démoniaque quand même. Cette chanson est assez troublante. Ça vous rappelle une atmosphère vraiment de mort. Écoutez très bien la chanson. Vous avez entendu ça? C'est comme au Nigeria, le film qu'ils ont fait où on dit, où les gens, quand quelqu'un meurt d'un pas à mort satanique, les gens chantent cette chanson qui fait Eh, nul n'est l'amour, eh oh. Qui connaît bien la chanson au Nigeria? Quand vous tapez sur YouTube Billionaire's Club, vous voyez comment les gens tuent les gens, sacrifient les gens pour devenir riches. Et on entend Vous voyez, hein? C'est une chanson qui fait pitié. Une chanson qui nous rappelle que quelqu'un est mort et qu'on doit accompagner cette personne à sa dernière demeure. Mais tellement ça fait pitié, hein, que les gens même ne savent pas quoi faire, et comment gérer ça. Et il y a une chanson qui est adaptée à la circonstance, quoi. Genre comme aux funérailles, les chansons des morts. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Écoutez encore. Bien, vraiment, cette affaire du Travis Scott, cette affaire du concert du Travis Scott va vraiment très loin. Si vous pensez que vous avez tout regardé, alors vous vous trompez. Ce n'est que le début du commencement. Il y a même sur TikTok, les gens ont commencé à se réveiller. Surtout les filles, hein? Surtout les filles. Dans cette affaire, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de femmes qui parlent
qui parle pour essayer de réveiller tout le monde. Genre pour dire que nous sommes en présence des gens qui sont dans le satanisme, dans l'occultisme. Tous les jours, on les voit, on regarde tout ça. Et on prend cela pour un jeu, pour la rigolade. Alors que c'est vraiment très grave. Et vraiment plus grave que grave. Et la jeune femme que nous allons voir tout de suite, elle va nous dire un truc. Il faut arrêter de faire ce signe démoniaque. Ok. Quel est ce signe? Venez. Vous allez voir. Regardez. Elle est ici. Est-ce que vous la voyez? Regardez bien. Vous voyez la jeune femme que là? Elle a des choses à vous dire. Elle parle en anglais. Elle essaie de faire la traduction. Vous pouvez également nous aider en commentaire. Some of y'all don't know the demonic symbols y'all doing in these videos. Elle dit que certaines personnes qui ne savent pas réellement les symboles de Monaco qu'ils font dans leurs vidéos. This is an Illuminati symbol. Elle dit que ceci est un signe Illuminati. Nous venons juste un peu en arrière, vous allez bien voir. Some of y'all don't know the demonic symbols y'all doing in these videos. This is an Illuminati symbol. You know, you see Jay-Z do it, you see Beyonce do it. Yeah, a cult, okay? And another thing that it represents is the 666. Elle dit que vous voyez souvent les Jay-Z, les Beyoncé faire ces signes, mais vous ne savez pas que c'est un signe démoniaque. Et une autre chose que ça représente, c'est le 666. The demonic sign of the devil, you feel me? C'est le signe démoniaque du diable. Saying, you guys are doing this in your videos and come back out. I'm trying to tell y'all need to stop following all these trends and you don't know the meaning behind it. Elle dit vraiment, il faut se réveiller. Vous ne faites que suivre les gens, ces gens et tout ça, sans savoir réellement ce que vous suivez, ce que vous faites. Tout ce qu'ils font, vous ne faites que reproduire, sans savoir que ce sont des symboles sataniques, des symboles démoniaques. We got a lot of Christians on this app. I saw some Christians do it. I'm like, yo, baby, you probably don't know. So I ain't even gonna front you. I'm telling you now, stop doing it. Je vous dis, c'est pas une histoire de dire je suis chrétien ou pas. Ce que je veux vous dire, je vous dis là maintenant, arrêtez de faire cela. It's demonic. Parce que c'est démoniaque. Okay. Okay. Everybody say, oh, you always say everything demonic. You always, no, I'm telling you, bro, we are living in a demonic world, bro. Elle dit que, je vous dis les gars, je vous dis les frères, nous vivons avec des gens démoniaques. It's crazy. Et ça c'est fou, hein, c'est vraiment fou. Regardez très très bien, hein? Très très bien du début jusqu'à la fin. Some of y'all don't know the demonic symbols y'all doing in these videos. This is an Illuminati symbol. You know, you see Jay-Z do it, you see Beyonce do it. Yeah, a cult, okay? And another thing that it represents is the 666, the demonic sign of the devil. You feel what I'm saying? You guys are doing this in your videos, then come back out. I'm trying to tell y'all need to stop following all these trends and you don't know the meaning behind it. We got a lot of Christians on this app. I saw some Christians do it. I'm like, yo, baby, you probably don't know. So I ain't even gonna front you. I'm telling you now, stop doing it. It's demonic, okay? Now everybody say, oh, she always say everything demonic. You always say, no, I'm telling you, bro, we are living in a demonic world, bro. Like, it's crazy, you know? Et vraiment, c'est vraiment grave. Elle dit que nous vivons avec des gens démoniaques. Alors, dans le concert, elle dit sur scène, on pourrait voir carrément ce symbole. Vous voyez une chose comme une montagne. Et on voit clairement que quand un volcan est en éruption, il y a une grande bouche ouverte en haut de la montagne. Et c'est cette grande bouche ouverte là qu'elle a. Et cette bouche ouverte va en direction de qui? En direction du public. C'est-à-dire que c'est comme un vortex qui est là pour aspirer les gens dans ce feu-là. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont venues à ce concert ne sont pas venues ici pour aller au paradis. Elles sont venues pour aller à l'enfer. Parce que c'est un concert de l'enfer. C'est ce que signifie ce symbole. Et vous pouvez voir ici, tout ainsi. Have you even been lost? Les gens pour dire. Avez-vous déjà été perdu? N'est-ce pas ça en français? Faites la description. Faites vraiment la traduction. C'est comme si nous nous étions face avec une chose qui allait détruire la vie. Mais les gens étaient là tranquillement, hein, sans savoir qu'il y avait un truc pareil qui avait lieu. Comme déjà, ils étaient déjà préparés en esprit, hein, à ce genre de choses. Donc, bon, pour eux, c'est pas nouveau. Et on zoom quand même pour nous montrer.
ça, 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 ça. C'est pourquoi je vous dis, people, wake up. Genre, les gars, réveillez-vous. Vous voyez ça? Il y a vraiment quelque chose de mauvais qui s'est passé réellement là-bas. Hein? Une énergie vraiment démoniaque, satanique. Mais ça aussi, c'est Travis. Travis Scott, c'est ça, non? Les signes occultes, les signes sataniques, les serpents dans les clips. J'ai regardé un clip hier. Ce matin, même quand je me suis réveillé et que je suis tombé sur le clip voisin encore, j'ai dit... Allez là. Là, je viens de commencer. Pas me donner malheur matin, bonheur là. Je vais pas me donner malheur matin, bonheur là. Tchèque! On voit les serpents, des scorpions. Il n'y a pas de scorpions, on voit les serpents. Des femmes nues, des... Yichi! Faut pas mélanger ma tête matin, bonheur. Faut pas mélanger ma tête, bonheur là. Des chiens. Des choses vraiment terribles. Et ça, ce n'est rien comparé à ce que les gens eux-mêmes ont vécu à ce concert. Voici un témoignage qui fait le tour des réseaux sociaux et qui me trouble encore. Vraiment, c'est terrible. Une personne qui n'a jamais vu la mort en face se retrouve avec au moins 10 corps autour d'elle. C'était vraiment terrible. Écoutez ça. Vous voyez ça? Cette personne parle en anglais, entendu en français ici. Vous pouvez lire aussi. Cette personne dit, on avait vraiment l'impression d'être littéralement en enfer. D'être dans un concert en enfer. C'était impossible de respirer, de voir. Imaginez juste le nombre de personnes qu'ils vont retrouver ce soir qui étaient dans le public. Qui ne pouvaient rien voir ni entendre, qui sont morts et qui, même morts, se faisaient marcher dessus pendant tout le concert. Je pense qu'il y aura probablement 100 morts ce soir. Dans le coin VIP, il y avait tellement de cadavres au sol, les gens ont essayé de leur faire des massages cardiaques. Et ils essayaient de les retourner. Leur visage devenait noir et bleu, genre... J'ai jamais vu la mort de mes propres yeux. Et maintenant, juste autour de moi, il y avait 10 cadavres. Et dès que les équipes médicales les aidaient, dès que leur corps ne répondait plus, il passait juste à un autre corps. Il ne pouvait rien faire d'autre. Il dit que cela l'a vraiment terrorisé. Ça avait vraiment une ambiance satanique et démoniaque. Les gens demandaient de l'aide. C'est qu'il décrit vraiment quand j'entends, je réécoute, vraiment, ça me donne froid dans le dos. Une personne qui était à ce concert, une personne qui était dans ce concert, qui a vu des choses qu'elle décrit ici, qui nous rappelle fortement ce qui se passe en enfer, ou du moins, bon, ce qui va se passer en enfer. C'est une chose terrible. C'est une chose vraiment terrible. Et il y a une autre femme qui a décidé de bien nous expliquer cette affaire. Elle va clairement nous dire que ça, ce n'est rien comparé à ce qui attend les gens qui seront en enfer. Elle dit que ça, c'est juste un bref aperçu. Elle dit qu'en enfer, là-bas, vous allez aller. Si vous ne faites pas attention, là-bas, là, il n'y aura pas de fête, ça ne va pas juste
une soirée organisée pour faire la fête. Et puis vous allez là-bas, vous voyez ça, non? Là-bas, c'est ça plus grave que ça. Et elle est ici. Elle a des choses à noter. Vraiment, c'est si réel. C'est si réel le témoignage de ces gens. Bon, mais je suis encore sur le choc. Écoutez. He was just putting on a concert, right? He was just entertaining people. He was possessed. Ouh, elle dit que vous êtes allé à son concert. Il était allé pour vous divertir. Il était possédé In that concert, you guys, dans ce concert. There is so much evil in this world, and Il y a beaucoup de mauvaises personnes, méchantes personnes dans ce monde. What you just saw, that was a small glimpse of what is going to be happening in hell. Elle dit que ce qu'on a vu, c'est juste un bref aperçu de ce qui va se passer en enfer. Small glimpse, but you know what? Everyone's going to be suffering. It's not going to be a party. Everyone says, oh, we're going to die. Elle dit que les gens vont souffrir. Like, ce ne sera pas juste une fête des soirées. I'd rather go to hell because all my friends will be there. You guys! Les gens vont dire que nos amis seront là-bas. Non. Wake up! Les gars, réveillez-vous. Wake up! That, like, the devil's real. Le diable est réel. People sell their souls. Les gens vendent leurs âmes. Comment pensez-vous que les gens deviennent célèbres? People sell their souls. Les gens vendent leurs âmes. Les gens vendent leurs âmes au diable. Demonic, what you just saw is real. Toutes ces choses démoniaques que vous avez vues, c'est réel. I'm in fear for people that don't know Jesus. J'ai peur pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. You guys, when I'm talking about God, I am not making it up. He's so real. Et vraiment, elle parle avec son cœur, elle parle vraiment, ça fait vraiment peur. C'est inquiétant. Je vais vous faire écouter ça encore, ok? Je vais vous faire écouter vraiment bien, vous allez voir sa réaction, son émotion, vraiment, sans dire dans ce sujet. Écoutez ça. He was just putting on a concert, right? He was just entertaining people. He was possessed in that concert. You guys... There is so much evil in this world, and what you just saw—that was a small glimpse of what is going to be happening in hell. Small glimpse, but you know what? Everyone's going to be suffering. It's not going to be a party. Everyone says, "Oh, we're going to die!" Like I'd rather go to hell because all my friends will be there. You guys, wake up! Wake up! That, like the devil's real. People sell their souls. How do you think people get famous? People sell their souls to the devil. All this demonic, what you just saw, is real. I'm in fear for people that don't know Jesus. You guys, when I'm talking about God, I am not making it up. He's so real. C'est si réel. Frères et sœurs, c'est si réel. C'est si réel. Réel. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est de la blague? Frères et sœurs, c'est pas de la blague. C'est réel. C'est pas de la blague. C'est réel. Regardez encore. Mes frères et sœurs, nous avons tous entendu, hein, parce que chacun peut laisser son commentaire maintenant. Chacun peut dire ce que l'on pense, mais toutes ces choses ne sont pas que des clips ou des images. Ce sont des clips, c'est-à-dire c'est un clip avec des images qui contiennent des messages subliminaux. Qui a dit ça? C'est un gars qui est un rappeur français. Dire que ces clips ne sont pas des simples clips, mais ce sont des trucs avec des messages subliminaux, c'est-à-dire des messages cachés que certains comprennent et d'autres pas. Mais une chose est sûre, c'est que ces messages-là influencent les gens mal même.
ça fait déjà mal, même ici, à ce concert, il y a eu des morts. Certaines personnes disent que vraiment le plus grand problème de ça, c'est que la sécurité n'était pas au point et les gens ne se préoccupent pas des uns et des autres. C'est-à-dire les gens du conseil, la personne accuse un peu les gens du public. Et d'un autre côté, Travis Scott aussi, qui ne voulait pas que son conseil soit un échec, qui voulait chanter jusqu'au bout, qui ne voulait pas arrêter de chanter, bien qu'il voyait lui-même les agents de santé venir essayer de réanimer une personne qui est évanouie. Moi, ce que je peux vous dire pour terminer, c'est mes frères et sœurs, il y a une énergie négative qui plane dans ce monde actuellement. C'est que la mort, qui frappe n'importe où, à n'importe quel moment. Soyez prudents et sachez où vous mettez les pieds. N'allez pas au rendez-vous du diable. Faites grave attention. Maintenant, le diable, vous n'allez jamais le voir avec l'école. Sinon, vous verrez que ces signes. Si vous voyez tous ces signes, comme les signes, ce sont ceux que la fille a décrit là. Vous devez vraiment faire très attention. Aujourd'hui, les satanistes ne se cachent plus. Ils ne pourront jamais vous dire ouvertement qu'ils sont dans le satanisme, mais ils vont vous montrer des signes. On dit dans la Bible qu'on reconnaîtra les vrais prophètes par l'accomplissement de ce qu'ils ont dit. On reconnaîtra les vrais hommes de Dieu aussi par leurs œuvres. Mais ça, je vais vous dire que ceux-là, vous allez les reconnaître par les signes. Par les signes. Si tu regardes un clip et puis tu vois ne serait-ce qu'un serpent, un seul serpent, il faut savoir que tu es le diable. Si tu regardes un clip et tu vois des hommes, une personne avec des cornes, il faut savoir que tu es le diable. Tu regardes un clip, tu vois que dans le clip, à la fin, la personne qui saute là, va s'asseoir sur un trône et il y a le feu autour. Même avant que la personne aille s'asseoir sur le trône, tu vois qu'il y a on monte au volcan et le feu sort. Ça là, ce ne sont pas les effets spéciaux qui sont là pour rien. Ces effets sociaux viennent pour exprimer ce qui est surtout dans le cœur des gens, ou ce qui se passe, ou ce qui va se passer, ou ce que cette personne-là est. C'est ce qu'on est là, c'est ce qu'on transmet. L'homme ne donne que ce qu'il a. Donc tout ce que vous allez voir dans les clips, ne voyez pas ça au hasard et puis ne dites pas, ah, c'est juste pour rigoler, c'est juste pour la blague. Hey, ceux qui sont morts là, ne vont plus revenir. Ceux qui sont morts, ne vont plus revenir. Dieu a été clair avec nous. Il nous a dit, la vie et la mort se trouvent entre vos mains. Mais choisissez la vie. La vie aujourd'hui, c'est la vérité. La vie aujourd'hui, c'est abandonner le chemin de mauvaises personnes, des adorateurs du diable qui sont remplis de ce monde et qui ont tellement du succès auprès de la jeunesse, auprès de tout le monde. Vous avez élevé des gens mauvais dans ce monde et ces gens-là vous dirigent. Vous avez mis au pouvoir des gens très mauvais et voici le résultat aujourd'hui. Le monde est sous la puissance du malin. Non, c'est pas ça. C'est plutôt le monde entier est sous la puissance du malin. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dans Travis Scott, reçoit des plaintes, son équipe, toutes les personnes qui ont organisé tout ça. Et il dit que il va essayer de vraiment faire tout ce qui est son possible pour venir en aide à toutes les personnes qui ont été choquées. Toutes les personnes qui ont vraiment été choquées. Dans toute la plénitude. Et il dit qu'il va commencer par rembourser l'argent de ceux des gens qui ont acheté des tickets pour son concert. Avec toutes les personnes qui étaient là, qui ont acheté un ticket pour être là-bas. Il va non seulement leur rembourser leur tiers, leur donner leur argent. Et puis, il va aussi faire tout ce qui est à son possible pour essayer de soigner les gens qui ont été traumatisés par tous ces événements. C'est-à-dire, vous êtes arrivé là-bas, vous n'avez jamais vu 10 morts autour de vous, vous avez vu 10 morts, vous êtes traumatisé. Ah, oh, il dit que voilà, vous allez à l'hôpital. On va vous soigner pour que vous puissiez guérir ce traumatisme. Il dit aussi
Tu vas aller voir les parents des gens qui sont décédés pour les soutenir financièrement. Et voilà. Mais tout ça ne peut pas arriver avec cadavre, hein? Tout ça, là, ça ne peut pas arriver avec cadavre. Il y a qui sont morts dans ça. Là. Ils sont allés où? Au paradis ou en enfer? À cause du seul fait que vous soyez déplacé pour aller en présence du diable, vous allez en enfer directement. C'est-à-dire que si vous êtes à des endroits où il ne faut pas aller, dans des endroits où il ne faut pas fouler les pieds même. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Psaume chapitre 1 d'abord? Psaume chapitre 1, verset 1. Psaume chapitre 1, verset 1 nous dit tout. Ouais, Dieu, tu avais parlé, mais on ne t'avait pas cru. Tu avais raison. Psaume chapitre 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ne vous arrêtez pas sur le conseil des méchants. Ne marchez pas en compagnie des moqueurs. On dit même qu'il faut éviter les gens de personnes. C'est-à-dire que les gens d'endroit, ils fouillent carrément. Évitez. Et les gens de personnes, il faut carrément éviter. On dit les méchantes personnes. On dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire que si ces gens-là qui sont allés là-bas, là, eux, ils étaient tranquillement à la maison de lire la Bible, ou bien s'intéresser à tout ce qui est bon. Hein. Ces gens-là seraient en vie. Mais comme ils ont subi tout le monde, et ils sont allés même en présence d'un spectacle où eux-mêmes sont conscients que là-bas, il y aura vraiment des signes occultes, même des hiboux, j'ai vu des hiboux, et des signes occultes là-bas là-haut. Il a dit c'était Béa Gogo. On voyait des yeux de diable partout. Mais les gens sont foutés, hein. Les gens étaient déjà envoûtés. Avant d'arriver là-bas, ils étaient déjà envoûtés. Vraiment, quand on parle aux gens, il faut écouter. Quand vous parlez, écoutez un peu. Un peu, c'est moi, ça vous sauve la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout vous dire, mais vous-même là, soyez intelligent. Soyez intelligent, c'est pas nous à venir être intelligent en place. Vraiment, je peux même pas dire, je n'ai même pas envie de dire rip à toutes les personnes qui sont mortes. Non. Non. Parce que c'est pas au paradis, ces gens vont aller malheureusement. Que Dieu ait pitié de nous. Hein. Au nom de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Vous les vivants maintenant, vous qui êtes vivants, sachez où vous mettez les pieds. Il y a la sorcière dans ce monde, elle est sataniste. Le fécheur de quartier n'est pas là pour rien. Il est là pour t'informer que le diable existe. Le marabout de quartier n'est pas là pour rien. Il est là aussi pour te montrer que le diable est réel. Les sorciers qui t'attaquent par tes médias ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour te dire qu'il faut croire en Dieu, et il faut t'attacher à Dieu. Parce qu'il y a une mauvaise personne ici. Des gens mauvais. Méchants, méchants. Les mauvais sont là. Vous faites très attention. Moi, j'ai fini de parler. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, c'est tout bien lié. Où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire. Nuance Reborn 3. Application Reborn, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Reborn 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.